Kasri Mistafa, qui, devant tout mot, serait-ce alors le mot le plus usuel, réclamait toujours un dictionnaire. Un jour, nous étions dans le salon d'un cossu d'un bourgeois casablancais. Et, tout en discutant, nous n'étions pas d'accord sur le sens d'un terme. Alors là, toute une vaine discussion a lieu où chacun essaye de défendre son point de vue, et mon père, pour mettre fin à cette vaine discussion, réclame un dictionnaire. À quoi notre hôte répond qu'il n'en avait pas chez lui. Alors mon père se penche à ma tête, puis me chuchote à l'oreille. Cette maison est comme une belle cuisine, mais sans couteau. La vidéo que nous allons vous présenter ici est un résumé de la discussion qui s'est engagée entre mon père et moi de retour à Rabat dans le compartiment du train. J'ai oublié de vous dire que c'était le mois de Ramadan.
pendant les 10 derniers jours de ce mois sacré et où a été révélée Laylatul Qadr, que la plupart des traducteurs rendent par la nuit du destin. Et pourquoi pas, non que ce soit là une erreur, la nuit grandiose. Tout dans le chapitre coranique indique que Dieu lui-même témoigne la grandeur de cette nuit. Et tout le contexte qui y réfère confirme l'idée de grandeur plutôt que celle du destin. Bien que tout en islam, et dès le départ, soit destin et décret divin. L'ambiguïté proviendrait très probablement de la ressemblance des deux noms, Qadr, qui veut dire valeur, poids, et autre sens, et Qadar, qui est, lui, signifie le destin. Tous deux ont la même racine trinitaire, Qadara. S'il est bien vrai que certaines exégèses expliquent Qadr par destin, la plupart privilégient la notion de grandeur, indiquée par le Coran lui-même, comme dans le verset 91 du chapitre 6. « وَلَمْ يُقَدِّرُ اللَّهَ حَسْبَ قَدْرِهِ » Ils n'ont point mesuré Dieu à sa vraie mesure. Ainsi que le verset 3 du chapitre 155. « Dieu réalise toujours ses fins, Dieu, pour toute chose, établit une mesure. » « إِنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا » Une telle approche du terme « qadr » est pour nous essentielle. Non seulement elle nous approche du sens, mais aussi elle dégage plus clairement les enseignements que le texte comporte. Une proclamation solennelle de l'existence divine par une nuit dans la valeur suprême et visitée par les anges guidés par Gabriel lui-même et où le prophète reçoit la révélation. Une nuit dont la valeur dépasse celle d'un millier de mois de prières, d'invocations et de recueillements. Et enfin, une nuit où les anges rejoignent les hommes sur terre afin de bénir leur entente et leur solidarité. Et tout se passe de la manière la plus universelle qui soit. La révélation de la sourate ayant eu lieu dans un endroit indéterminé. Et qu'est-ce qui est plus universel que l'indéterminé pour la rhétorique arabe? Cette sourate comporte 6 versets et elle est donc un sistre proclamé par le musulman comme un sacre de la vie renouvelée pour rapprocher les hommes dans leur union sur terre. 6 versets, tout de musicalité, d'allitération ancestrale, dans un rythme cosmique et un style inimitable et inaccessible. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayru min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nous avons révélé le Coran par une nuit grandiose, une nuit dont vous ne pouvez soupçonner la valeur, et qui est bien supérieure à 1000 mois de prière, une nuit où sur terre descendent les anges et Gabriel même, par le décret de Dieu en toutes choses. Paix aux âmes jusqu'à ce que son aube pointe. Tous qu'enfants, nous montions cette nuit-là à la terrasse, convaincus que nous sommes que le ciel allait s'ouvrir pour recevoir nos vœux. Aujourd'hui que nous sommes adultes, nous savons très bien que ce ciel, nuageux, ténébreux, clair, quel qu'il soit, est notre cœur nous-mêmes.